Alors salut à tous. Alors bonjour à tous et salut à tous. C'est TheSword 54. J'espère que vous allez bien. Et moi ça va nickel comme d'habitude. Les petits potos. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo Harry Potter Collection. Sauf qu'aujourd'hui je vais vous dire quelques petites choses. Alors. Donc pour l'instant on est sur une petite série année 1 à 4 pour l'instant. Donc voilà, je suis dans la grande salle. Donc là je joue sur PlayStation 4, donc on voit le prénom. Donc s'il y a des petites flèches dorées qui clignotent, c'est normal. J'ai acheté le détecteur de briques dorées. Donc je vous ai déjà présenté, donc voilà, donc ceci on va aller autre part pour vous montrer les sortilèges impardonnables qui n'est donc je vous expliquerai tous les sortilèges impardonnables complets dans une autre vidéo. Donc là j'ai acheté le sortilège Axio, donc désolé s'il y a du bruit hein, c'est pas de ma faute. Donc là il y a plein de personnages que je vais débloquer après. Je m'en occupe après. Alors on va aller là. Je vous montre les sortilèges à Avada Kedavra. Tous les sortilèges impardonnables. Donc je vous laisse sur cette petite extrait d'Avada Kedavra. Allez, à tout de suite. Donc voilà, la fonction Avada Kedavra est finie. Maintenant, on va passer au sortilège cruciaux, qui est un quatrième sortilège impardonnable. Je vous expliquerai son effet dans une prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.
C'est bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Commentez et partagez la vidéo. Surtout, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde.